Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes arrivés au Jim Baron Cliff à Jim Baron. Donc, contrairement à ce que son nom indique, nous ne sommes pas sur une falaise, nous sommes sur une espèce de colline qui surplombe la presqu'île de Nusa Dua. Donc, on a une piscine privée et avec vue sur la nature en fait. Avec une petite maison où on peut se reposer, c'est bien sympa. Donc, là vous avez un petit canapé, une table et derrière une cuisine. Et ensuite, vous avez un dressing. Et un coin salle de bain. Vous avez baignoire et douche avec les toilettes. C'est ouvert sur l'extérieur. Et je vais vous montrer un petit peu la vue. Alors un des défauts, c'est qu'on a vu, en fait on a une autre villa et ça communique. Donc en fait on entend tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font. C'est un peu embêtant. Voilà, et maintenant je vais vous montrer la vue plus en détail. Voilà, donc là malheureusement il y a des travaux. Donc le matin ça fait un petit peu de bruit et comme on est entouré de la nature et de villages balinés, on entend pas mal les coqs et les chiens le matin, mais ça c'est assez typique quand vous n'êtes plus dans des zones touristiques, vous entendez la vie balinaise et ils se lèvent très tôt et se couchent très tôt, donc voilà. Voilà, aujourd'hui on va manger des fruits de mer sur la plage de Jim Baron. C'est une activité qui est très 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 courante quand on va à Bali. C'est the place to manger des fruits de mer en gros, donc c'est là. Et en regardant le coucher de soleil, sachant qu'il se couche très tôt à Bali, là il est 18h, donc on y est presque. Normalement ça finit à 18h20. Voilà. Nous, ça fait très longtemps qu'on n'est pas revenu ici parce que tout simplement on a eu l'impression la première fois que c'était vraiment un attrape-touriste. On allait manger dans un autre lieu. Là on a pris le restaurant qui est vraiment tout au fond de la rue des restaurants et qui s'appelle Made Bagus Café. Voilà. Donc c'est celui qui a les meilleures notes sur TripAdvisor. Donc on va voir. On espère ne pas être déçus.